Maresca siffle faute. On va peut-être voir ça au ralenti. Et bientôt reprendre, tenez-vous prêt, 28 décembre, déplacement à Clé. Benjamin André, celle-ci aussi, elle est... Zegrova à nouveau. Allez, Zegrova pour l'international italien Alex Meret. Passer l'orage là, il faut subir ce temps fort sans encaisser. André Gomes. Angel Gomes, Edon Zegrova qui va rentrer à l'intérieur. Edon Zegrova qui va peut-être chercher à frapper face à Lobotka. Et il a réussi à un grand pont qui ne s'attendait peut-être. Edon Zegrova qui va chercher à éliminer. Il y arrive, Edon Zegrova. Il la donne avec et Simon Rabé. Voilà le banc lillois. Donc on en a des solutions offensives. On a tout simplement Jonathan David, Jonathan Bamba, Adamounas. Il y aura de quoi faire et cette frappe, elle est belle. Bien servie par Edon Zegrova. Ah, petit oui à gauche en piston. Zegrova qu'on a réussi à trouver là-bas en une touche pour Angel Gomes. Le 1-2 est réussi pour Zegrova. Il est un petit peu enfermé. Non, il... Lorenzo, c'est bien. Di Lorenzo dans la surface qui va pouvoir centrer en retrait. Ozzy maintenant au deuxième poteau. Il a... Allez, Diakité, on arrive à se sortir de cette situation. Oui, c'est bien joué Zegrova. Pour Thiago Diallo, pour Zegrova. Allez, faut s'en sortir. C'est bien ça. On va venir étirer à droite. Ouais, peut-être en deux temps. Et Zegrova, il y a Diakité qui va demander le ballon. Zegrova, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche à éliminer. Pour Angel Gomes, Edon Zegrova qui va se présenter devant la surface. Ah, j'ai cru qu'il allait chercher à enrouler. Il l'a mise en jeu napolitaine. Qu'est-ce qu'il se passe? Hors-jeu. Il y avait visiblement un hors-jeu, dit Monsieur Maresca. Zegrova. C'est Alan Virginius qui va reculer d'un cran.